persistent concern that young people in Cameroon raise each time they are being asked or convinced to get into trying to be their bosses or trying to start up something by themselves. You are outlining here, I understand that you are outlining seven prerequisites, like important things that every young Cameroonian or young person needs to start up. But there is always this problem that young people face, that of financing. Because even when you want to go into agriculture, like you indicated here, you need at least some amount to get into that. You want to go into rearing of pigs, like you took the example of your brother-in-law, you need at least finances. This is a problem that young people face in Cameroon. How do they even handle this at a point where little support is coming from the central government, like Duval indicated? Okay, je pense que Duval, ta question est très pertinente. Duval dit, même lorsqu'il y aura la volonté, il n'y aura pas les moyens. Il faut savoir que le dernier moyen qui manque pour commencer quelque chose qui permet aux gens de vivre, le dernier moyen qui manque, c'est l'argent. Le premier moyen, ce n'est pas l'argent. Le premier moyen, d'abord, la transformation personnelle. Est-ce que tu ne vas pas boire tous les soirs? Au lieu de faire la concurrence des casiers de bière, bon, une demi-bière, non? C'est ça. Est-ce que tu ne vas pas rentrer tard? Rentre chez toi, concentre-toi. Regarde la télé, parle avec les enfants. Ou bien, parle avec tes amis de comment on va faire les choses. Est-ce que tu ne vas pas, tu peux entretenir une femme, ta femme, toi tu fais, je ne sais pas ce que tu fais la coiffure, la braise de poisson, et vous économisez. C'est plus important. Parce que l'argent que tu veux, le gars qui veut l'argent, pour, si on lui donne 9 fois sur 10, c'est pour boire, c'est pour fumer la chicha, c'est pour marcher avec les filles du bar. Est-ce qu'on fait la fille à la vie avec les filles du bar? Les filles du bar, c'est pour passer au cas quand tu as un pain en panne. Mais est-ce qu'on peut organiser la vie avec ça? C'est ça, là-bas, le problème. Et maintenant, quand on a fait ça, on a fait la transformation personnelle. Je fais appel aux élites. Il faut organiser la société. Et il ne faut pas croire que la société, c'est seulement l'État et la mairie. Chacun peut organiser sa micro-communauté dans le modèle Bamileke. C'est pourquoi les Camerounais doivent respecter le Bamileke. Au moins, ils nous apprennent deux choses. Produire, multiplier et conserver l'argent et la richesse. C'est la première chose, c'est important. Et les autres cultures n'ont pas beaucoup ça. La seule culture qui a ça, c'est la culture peul et musulman du Nord qui a ça bien. Nous autres, nous devons apprendre chez eux. Et on a la modestie d'aller apprendre ça. Et c'est Dieu qui a créé comme ça. Nous aussi, on a d'autres qualités qu'ils n'ont pas. Deuxième chose qu'on doit aller apprendre là-bas, c'est la solidarité. Moi, j'ai grandi dans un quartier Nilon à Douala où, en soirée, avait un type bien nourri, c'est comme ça qu'on l'appelait. Son bar a brûlé. Tout a brûlé. Le matin, quand je passe pour aller à l'école, parce que nous, on est là-bas, parce que moi, je vendais les bâtons de manioc et les misunga que ma mère faisait. Donc, on rentrait vers 20h, 21h. Le matin, quand je passe, il y a des à la toiture, ils ont tollé toute la nuit. Je dis que moi, ça, les bangantés sont forts. Parce que les bambliqués, là, étaient majoritairement bangantés au quartier Nilon. Quand je faisais le collège Saint-Michel en face, c'est au dispensaire, parce que c'est mon quartier. Cas social, quand on prend ça, c'est mon quartier. À côté de l'école publique. Oui, c'est là que moi j'ai grandi. Quand je rentre du collège Saint-Michel à 13, 14 heures, même les murs sont peints et il y a de la marchandise. La solidarité que nous devons apprendre. Ce qu'on fait là, foyer Badjoul, foyer Batoufam, il faut que nous tous on fasse ça. Non pas pour faire la concurrence et le tribalisme, mais parce que dedans, il y a une culture. Copier ce que les autres cultures font et à la minute fusionner pour qu'un jour on arrive au foyer national que représente notre pays. Ok? Donc la solidarité et l'élite doit faire ça. J'ai vu quelque part que Mbayem a créé chez lui là-bas dans le tour Babine de la Mbayem Golf Camp avec Nyoruk. Ils ont créé un tour Mahola Mambay qui veut dire l'aide au village. Il faut aider les villageois. Il faut aider les moins nantis, sans les humilier pour produire.
C'est le modèle que je propose, c'est ça que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire que j'entends, quand je vous dis que j'ai du maïs qui attend là, j'ai le manioc que je vais vendre ce soir. Ce n'est pas que je vais au champ. Toi, tu as la terre et tu as la présence. Moi, j'ai un peu d'argent que l'on me donne quand je fais une petite chirurgie, non? Moi, je donne ça. On achète les semences. On paye les ouvriers. Même quand tu es vieux, toi, tu ne travailles pas. Et qu'on récolte, on rembourse mon argent. Et on vend le surplus. C'est ça qu'on se partage. Toi, tu as 40%, moi, j'ai 60%. Et on peut discuter le pourcentage. Donc, je voulais dire que l'île doit s'impliquer pour la phase intermédiaire, si elle veut survivre. C'est un devoir, ce n'est pas un choix. Si l'élite ne le fait pas, ce qui risque, c'est que le Cameroun va exploser. Et ceux-ci seront les plus perdants. Parce que quand toi, tu as la vie, tu es riche, tu es instruit, c'est toi qui as la vie. Pour l'autre qui est miséreux et pauvre, sa vie ne vaut rien, il peut la perdre. C'est pour toi que la vie est sucrée. Donc, la solidarité est un devoir et une nécessité de survie pour avoir une société équilibrée. Et c'est ça le but même de la société socialiste que nous, à l'UPC, hein, nous avons hérité des pères fondateurs et que nous voulions faire. Ce qu'on voulait faire, c'est une république camerounaise socialiste dans un État central, mais fortement décentralisé sur des régions.